J'aimerais, dans cette même attitude, que nous puissions chanter un peu. Je crois même que à travers la chanson, il y a des miracles qui se font. Ce n'est pas en vain. Les amis par ma tête. Lorsque les esprits impurs menaçaient Saoul. Lorsque David chantait, les esprits impurs m'acquittaient. Est-ce que vous croyez comme moi? Oui, c'est ça. Mais
tu as vaincu la mort, et de la gloire. La mort qui a dominé est à la mon Dieu. Tu l'as vaincu et de la mon Dieu. Voilà ce soir, et de la mon Dieu. Ensemble avec le bien-aimé. Nous t'élèvons et de la mon Dieu. Nous disons et de la mon Dieu. Il n'y a personne qui est comme toi. Il n'y a personne qui est comme toi. Je t'élève et de la mon Dieu. Dans la vie de cette terre. Dans la vie de mon frère et de la mon Dieu. Il avait tort de divinité, mais il a élevé. Nous t'élèverons et dans la nature. Sois élevé, Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Nous pouvons applaudir pour l'autre. Quand on dit qu'il faut applaudir pour le Seigneur, il faut faire des choses comme les gens qui sont en vie. Vous savez, nous qui avions pris le temps d'être dans les hôpitaux, quand vous passez dans le monde, il y a un fort silence. Même les gens qui sont aux alentours du cimetière, il y a une forte silence. Mais toi, l'Éternel t'a donné le souffle des vies. Quand on te dit d'acclamer pour le roi, ce n'est pas seulement d'acclamer. Tu dois te souvenir qu'il y a quelque chose que le Seigneur a fait dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose que le Seigneur a fait dans ta vie? Moi, je le crois que le Seigneur a fait quelque chose. Le fait que je suis appelé saint, mon sang, c'est le gène parmi nous. Je t'ai dit, moi je suis plus de l'Équateur. Moi je suis plus Moulouba. Moi je suis plus mon Congo. L'Éternel a changé mon identité. Voilà pourquoi j'ai la capacité d'applaudir et de chanter pour vous. Écoutez mon frère. Il y avait un homme qui s'est levé devant Israël. Je crois que tu connais cet homme. Il s'appelait Goliath. Il était géant. Il se croyait être fort. Mais l'Éternel a pris un homme. C'était David. Je t'ai dit aussi, lorsque David est venu, il a fait couler Goliath. Israël a vu le miracle. Israël a chanté. Je t'ai dit aussi ce soir. Parce que tu vas voir le miracle. Si tu as entendu, maintenant tu vas voir. Je dis à quelqu'un que le Dieu à qui nous prêchons, il nous guérit le mal. Il pardonne le péché. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut applaudir? Vous savez, nous qui avons l'habitude de visiter nos assemblées, il y a dans d'autres assemblées des saints quand vous entrez, vous avez quand même mal au cœur. Vous n'allez pas si bien dans vos têtes. Mais nous croyons qu'on est dans la marche. Parce que nous avons dit que nous allons les aider. Va les aider. Mais que le Seigneur bénisse. Parce qu'on n'a pas pour là. Mon papa, le pasteur, le titre. Malgré notre petite grâce, il nous a appelé de participer à cette grande réunion de saints. Là où il y a des éminents hommes de Dieu, nos papas qui nous ont enseigné, mais il nous a appelé d'être ensemble avec eux. Vraiment que le Seigneur puisse bénir le pasteur titre.
Mon pasteur Pilon m'a dit quelque chose. On ne peut pas rendre témoignage de quelqu'un quand il le manque. C'est lorsqu'il est en vie qu'on doit rendre témoignage. Si les gens peut-être connaissent le frère Fabrice comme chante, c'est aussi grâce au pasteur Tite et le prophète Esaïe qui est au Brésil. Parce qu'à chaque fois, on m'a appelé pour participer dans des émissions ensemble. Je suis très reconnaissant. Et je bénis la présence de tout le monde qui sont présents ici. Et surtout la présence de mon docteur Peter. Vraiment que le Seigneur bénisse au docteur. Parce qu'il est parmi des hommes dédiés qui ont pu découvrir cette petite grâce. Et ils ont laissé le temps de prêcher. Il y a longtemps. Le Seigneur le bénisse. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il faut être dans la joie. Écoutez, je prends d'abord cette écriture. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 27. Verset 57-60. 56. Le soir étant venu, pourquoi et à qui arriva un homme riche dans les matins? Nommé Joseph. Lequel il était aussi de Jésus. Bon, Notre écriture de base, il est commis la question à mon beaucoup, Pézan. Nous sommes dans les livres de 1 Jean. Nous allons dans mon Kandaya. 1 Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Yohan et mon Kapoula Liboso. Nous excusez. Au début, si. Au 5. Zéla, tout comme il est à l'état. Philippe rencontra Nathanaël. Philippe rencontra Nathanaël. Et lui dit. Père, ça dit. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit. Et dont le prophète ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Voilà mon bail à Joseph. Actes des apôtres. Mon candidat à Missal Batora. Chapitre 3. Mon caponnet Missal. Chapitre 3, verset 24 à 26. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour. J'aimerais qu'on s'arrête par là. D'autres écritures, on va l'ajouter. Nous pouvons applaudir la parole de j'étais en train de méditer en lisant cette écriture de Matthieu. J'ai vu cet homme. On parle bien. Il était un homme riche. Il n'était pas un homme pauvre. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait déjà acheté son sépulcre. C'est pas sonné ensemble. Et nous, est-ce que dans ce
s'il y a des gens pareils, na mokili eza na bato moko sibia na lelo bazali on le dunia lokola moko duni il s'achète déjà sur ses prix a isombe luta kala kuja na yo parce que poete dans la vie na bomo tout le monde a peur de la mort o tenyo soba na tali même si tu dis à ta femme ata ko ni siwa je vais acheter un sepik na ngina soba kunda le jour que tu vas mourir o kolo ko ku nous allons mourir on va t'enterrer na kunda toi et moi yo na ta femme va te cet argent-là ne manque pas des choses à faire. Est-ce qu'on est ensemble? Mais cet homme-là a réagi. Mais c'est pour toi la mais celle qui nous a indiqué ce point. Cet homme-là, au lieu que lui puisse entrer d'abord, premièrement dans ses sépultures, il a accepté de prendre d'abord le corps du Seigneur Jésus-Christ. De les placer premièrement. Mon frère, dans la Bible, lorsque vous voyez des choses qui se font, ce n'est pas en vain. Il y a toujours quelque chose qui est caché. Cet homme voulait seulement dire, moi je suis rien. Je veux que toi tu te places au devant de moi. Oh, lorsque l'Éternel nous voit devant, c'est-à-dire, la mort ne va plus régner parmi le peuple. Voilà pourquoi, même David, lorsqu'il s'est présenté devant Goliath, parce que Goliath multipliait la mort, il a régné. Mais David, lorsqu'il est venu, il a dit, je viens avec le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, l'Éternel voilà pourquoi je vais exhorter quelqu'un ce soir dans tout ce que tu vas faire, il faut que le Seigneur se place au départ. Je répète encore, je exhorte à quelqu'un, si tu veux faire quelque chose, laisse que l'Éternel se place au devant de toi et il te donnera la solution. Mon frère, c'est-à-dire l'Éternel a pris la place de cet homme. La mort qui régnait ne peut plus régner sur cet homme. Mais je ne peux pas m'arrêter là. Là, je vais être comme d'autres prédicateurs. Comme des milices. Mais dans la révélation, lorsque vous voyez cet homme, on l'a appelé l'homme juste. Mais c'est Adam. Lorsque Adam quittait le château, il n'était pas pauvre. Il était un homme juste. Mais il est marqué, la mort a régné sur Adam. Mais il fallait que non. Il fallait bien qu'il monte hier. Aïa. Pour prendre la place d'Adam. Pour ce qu'il a entendu sa voix. Oui, je déclare si la mort était déclarée ce soir, dans cette fin de l'année, je l'enlève au nom de Jésus. Que la mort soit enlevée. Je déclare si on avait déclaré quelque chose de mauvais sur toi, au nom de Jésus, ça n'a pas de fait. Et ça n'a pas de fait. Lorsqu'on lit l'écriture, il y a quelque chose qui m'a dit. Des gens 25. Déjà 25. Quelque chose m'a dit. Et l'autre mot peut être tout dit sur la taille du médical. On a enterré l'Éternel. Par tout dit à eux. Mais il y a des femmes qui sont restées. C'est-à-dire, quand d'autres personnes sont dans la réjouissance, mais il y a d'autres femmes qui sont là, tout près des tombes de Jésus. Je le déclare, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Tous les bien-aimés qui fêtent l'anniversaire, ils sont en dehors des Écritures. Parce que je vois des femmes ici, ils sont restés tout près du tombe. Voilà la raison pour laquelle, si nous prenons l'aspect de la révélation, les deux femmes représentent l'Église. Parce que dans l'Église, il y a deux aspects qui se présentent. Il y a la lettre
est l'explication de la mort de cet homme qui est dans le tombeau. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Je dis à quelqu'un que les bonnes années, mais t'en prie même. Et tout ça là, ta tête. Nous l'église, la fête que nous devons faire. Et nous devons faire, c'est la sainte. Et ça lit et l'amour. C'est-à-dire que quand on fait cela, on est comme ces deux femmes tout autour du tombeau. Parce que on se souvient de la mort de notre mari. Est-ce que vous croyez comme moi? Vous allez continuer par le coup la main. Voilà pourquoi moi j'ai dit. Et voilà, mais il ne peut pas voir un frère bien. Le premier décembre, beaucoup d'animaux aussi en boule. À Betty Sap, il sape. À Kébosan, et il va dans les ambiances. Non. Tel. Moi je ne peux pas voir ça. À côté, continuer un mot tel. C'est lui qui a le sang des yeux. Il doit comprendre que. Et c'est bien là ce soir. Je dois au contraire rendre gloire à Dieu. Quand on rendre gloire à Dieu, c'est une autre chose. Voilà pourquoi nous introduisons notre thème. Écoutez ce que Philippe dit. Que c'est bon. Ils allaient conduire la casse. Est-ce que jusque-là on est ensemble? Est-ce que là on est juste on est ensemble? Parce que j'aime quand je prêche qu'on soit ensemble avec vous. Écoutez ce que Philippe dit. Vraiment, l'Éternel est tribunal. Philippe rencontrant et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète en parlait, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Est-ce que vous pensez que cette déclaration qu'a fait Philippe, c'était poussé par la chair? Non, il a été révélé. Qu'est-ce qui prouve cela? Lorsque vous montez sur le verset 40 à 41, il y avait des disciples de Jean. Lorsque Jean les représentait, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché. En réalité, c'était une révélation. Pour voir, il faut être révélé. Mais qui doit révéler? Ce sont le prophète. Mais remarquez dans la Bible. L'Éternel notre Dieu. Il ne croit un grand prophète. Est-ce que vous croyez comme moi? Je sais que l'Église est bien enseignée. Je n'aurai pas beaucoup de gymnastiques de cette étude. Dans la Bible, il n'y a que des grands prophètes. Le premier prophète, c'est Moïse. Et le dernier prophète, c'est lui. Personne ne peut plus passer. Je suis dans l'Écriture. Je suis dans le livre de Jean 1, chapitre 17. Jean chapitre 1, verset 17. On parle que Moïse a amené la loi. La grâce est venue par Jésus-Christ. Nous comprenons que les deux grands prophètes, l'un a amené la loi, l'autre a amené la grâce. Maintenant, si aujourd'hui, docteur Peter, c'est lui qui est le prophète du temps de la fin. La question que nous devons lui poser, tu l'as amené quoi? Parce que si il nous dit, je lis seulement mon livre, ça va m'en dire. Il ne faut même pas écouter. C'est-à-dire quoi? Merci Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Comment ça dit? L'Éternel est tellement merveilleux. Lisez bien l'Apocalypse. On parle de l'Alpha et l'Oméga. C'est-à-dire, il est le commencement.
épargner. Et le dernier. C'est-à-dire même Moïse là. C'était de lui-même. Vous allez comprendre. Cette démarche. Et tant mon Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que Moïse fait? Parce que quand on pense à ça, lui, il est le prophète. Il y a un salut dans sa peau. Parce que pour voir ce Messie, pour la commande à mon Dieu, il faut passer par le prophète. Et c'est bien qu'on est dans la terre pour ça. Philippe commence d'abord par Moïse. Philippe va manier pas une amour. Là, je donne le conseil. Ouais, vous allez comprendre sa théorie. À tous les disciples. À tous les chefs de ministre. Le respect est sacré. Alors, ça y est, tous ces amis à mon table. Vous allez comprendre. Les trois derniers, c'est sacré. Je te dis encore, je répète. Toi qui me suis. Peu importe que la grâce que le Seigneur me dit, mais le trois derniers, c'est sacré. Pourquoi Philippe n'a pas commencé à faire qu'il le prophète? Mais il commence par Moïse. Il faut respecter ceux qui sont venus avant. Peu importe que la grâce peut nous utiliser. Vous allez remarquer, la première personne que j'ai vue dans la vie, mais c'était David. Il était un héros. Mais il avait au père de toucher ça. Le respect est sacré. Même dans la famille, il faut respecter ton frère, ta grande sœur. C'est pas dit si tu es un frère de l'évangile éternel. Cela est synonyme d'être un poli. Non. Dans l'assemblée des saints, nous devons trouver la politesse. On peut avancer. Mais vous savez, Moïse, qu'est-ce qui a différencié Moïse avec d'autres prophètes? C'est parce que l'Éternel l'a fait Dieu. Il a pris un nom. Il a fait Dieu. Mais lisez bien le livre de Moïse. Dans le livre de Moïse, nulle part, Moïse a révélé que le prophète qu'il devait attendre, c'était Jésus-Christ. Non. Le Seigneur devait. On va écouter Peter. Il n'a pas dit ça. Que Jésus-Christ. Non. Écoutez, qu'est-ce que Dieu fait? Ça passe à lui. Moïse vient. C'est lui qui a écrit la loi. En réalité, le détenteur de la loi, c'était Moïse. Maintenant, Moïse vient avec la loi. Pour présenter au peuple. Mais pour présenter cela au peuple, Moïse ne vient pas d'une manière claire. Il vient d'une manière cachée. En d'autres termes, la lumière qui est cachée. Or, là où la lumière est cachée, c'est le ténèbre. Quand il y a le ténèbre, il y a la confusion. Voilà pourquoi c'était pendant la nuit que Léa a trouvé grâce. C'était pendant la nuit. Que Léa a trouvé grâce. Je parle de cette nuit, c'était une confusion. Parce que l'homme s'est rendu compte la journée de matin. Et ce n'est pas l'enfant que je veux. C'est-à-dire, le ministère qu'a porté Moïse, en réalité, ce n'était pas le fruit de la vie. C'était le fruit de la mort. Tout cela, c'était le plan de Dieu. Pour un peuple qui devait venir. Voilà pourquoi mon frère enseigne. Ne te sous-estime pas. Comme tu es dans cet évangile, l'Éternel a un plan merveilleux pour toi. Moïse avait la loi. Mais écoutez encore. L'Éternel est terrible dans les yeux. Les peuples ont dit, nous voulons l'écouter. Mais en montant, ils n'ont pas pu l'écouter.
C'est-à-dire, ces peuples-là n'avaient plus l'oreille, ces peuples-là n'avaient pas le ciel. Qu'est-ce que j'ai dit? Les peuples n'avaient pas l'oreille. Les peuples n'avaient pas le ciel. Pourquoi Moïse est voilé? L'oreille, parce qu'ils n'ont pas pu entendre ce que l'Éternel a dit dans le montagne. Quand le peuple n'a pas l'oreille, maintenant comment est-ce qu'il faut avoir la vie? Moïse vient. Vraiment, c'est Moïse qui est venu. Nous venons de ton nom. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vraiment nous marchons ensemble? Si nous marchons ensemble, nous pouvons applaudir notre Dieu. Mettez la parole à tous les autres. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. D'entre tes frères, un prophète comme moi. Ça, c'est Moïse. Il a écrit. C'est-à-dire, le prophète qui doit venir ne viendra pas d'un autre tribu. Donc ce prophète ne peut pas être d'Abraham. Ce prophète ne peut pas être Kimbam. Ce prophète ne peut pas être Kitoali. Parce que la plupart des prophètes, ce sont des Badouba, ce sont des Bakongo. Parce que jusque là, je ne sais pas s'il y a encore un prophète ou non. Surtout les Badouba et les Bakongo. Mais dans la Bible que nous lisons, l'Éternel qui a fait un homme Dieu, cet homme dit que l'Éternel vous suscitera un autre prophète comme moi, mais ce prophète sortira au milieu de vous. C'est-à-dire quoi? La langage de Moïse voulait dire simplement quoi? Le travail que moi je fais, en réalité, je suis pas arrivé dans la perfection. Amen. Mais il y aura un autre qui va arriver. C'est lui-là viendra pour vous perfectionner. Voilà pourquoi l'Éternel parle dans plusieurs manières. Moïse n'est pas hanté. Mais c'était Josué qui devait amener le peuple. Mais vous allez remarquer ceci. Nous expliquons cela dans la révélation. Malgré que Moïse n'est pas hanté. C'était Josué. En réalité, c'était seulement Moïse. Voilà pourquoi, lorsque le véritable Josué est venu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il a dit ceci: je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Amen. On est ensemble. Ah. Ça, c'est Moïse. Voilà, Moïse. Maintenant, nous devons chercher. Et c'est qu'elle est au loupard. Maintenant, qu'est-ce que le prophète dit? À sa polyvalomanie. C'est ça. Est-ce que Moïse a écrit la loi? Non, c'est à combat de l'État. Et si tu n'as pas donné la loi? Je vous dis, tout cela, c'était que des noms. C'était que des images. C'était que des fantaisies. C'était que des dessins humains. C'était des choses là qui apparaissaient. Même lorsqu'on disait, quand tu pêches, tu dois prendre quelque chose pour qu'on donne pour les paroles. En réalité, c'était que de l'homme. Maintenant, nous devons lire. Ton temps. Ah, le temps. Tango. Voilà le pourquoi mon père les laissait qui a la paix. Il prêchait qu'il était réserve du temps. Surtout quand la prédication est bonne, le peuple ne peut pas se fatiguer. L'enseignement, c'est la nourriture. Ce besoin qui t'occupe, ta évangile, c'est l'évangile. C'est chose. C'est chose, la personne qui est là alimentée. Il ne peut pas voir ça. Nous allons arriver à la fin.
train de voir. Mais je vais d'abord toucher les prophètes ont dit. Mais ces prophètes ont dit de quelle manière? Et ils ont d'abord. Je suis dans les livres de Deux-Rois. Vous allez comprendre que les livres de Deux-Rois complètent seulement Deutéronome. Parce que les prophètes qui devaient venir, ils n'espèrent pas contredire leur grand-mère. Ma conquête, pour y apporter les mêmes, la montée n'a pas donné des mots. Tu vois quelqu'un qui se dit les disciples de Jésus. Mais ils s'opposent à l'enseignement de Jésus. Je vais dire quoi? Quelqu'un qui se dit qu'il est disciple de Jésus. Mais là, tu as vu l'homme à toi. Mais il porte les bijoux. À suivre. Et pour les oreilles. À suivre. Comme on le met là. Pleinement du roi. Tout ça, mon canal est madame à vous. Je suis dans les livres de Dieu roi. Mazali, la mon canal est madame à vous. C'est 19. La première vie malade, c'est là. Tout y a zombie la loi. On peut nous aider avec la lecture. Deux rois 2, chapitre 2, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour dans la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi bien ce que tu as dit. C'est-à-dire, les gens de la ville sont venus trouver le prophète Élisée. Et Élisée, et Moïse, qui est le plus grand. Je pose la question à l'église. Mon frère, Élisée et Moïse, qui est le plus grand? C'est Moïse. Les animaux, c'est maître de l'Église. C'est-à-dire, lorsque Philippe dit, les prophètes ont parlé. Voilà pourquoi j'ai pris cette écriture. Les gens de la ville sont venus. Le pays est bon. Bon, car ils allaient pénal du temps. Le pays. Bon, car ils du temps. Et bon. Voici le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Il dit, apporte-moi un pain neuf. Et mettez sur le cerf. Et il dit à porter. Il alla vers la source. Vous allez continuer la source. C'est-à-dire le peuple de témoins. Le pays où Moka est allé tout. Mais qu'est-ce qui fait défaut? C'est les eaux. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous allez comprendre? On est ensemble. C'est-à-dire, malgré qu'il y a les gens de la ville, malgré qu'il y a la construction, parce que ceux qui faisaient la beauté, à la manière des hommes, nous pouvons dire, c'est la construction. Mais les eaux. Voilà pourquoi, un enfant de Dieu, il ne faut pas être étonné de voir des églises qui sont bien bâties. Il ne faut pas s'acclamer parce que tu as vu là-bas, on a construit à là-bas, ils ont bâti. Vérifie d'abord. Il s'agit de quels eaux? Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce que le prophète dit? Il dit ceci. Qu'on amène un plat neuf. Qu'on mette du sel et on va jeter à la source pour enlever aussi la stérilité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous allez le manquer quoi? C'est même terre. Quand de père avec ce que Moïse a dit. L'éternel suscité.
un autre prophète. C'est-à-dire, la solution doit venir au milieu du peuple. Voilà pourquoi dans cette ville de Jéricho, la solution devait venir au milieu des. Et cette solution, écoutez la précision, un plan neuf. Cela, je dis que dans la Bible, lorsque vous lisez les Écritures, les plats, elle est typifiée par un homme. Or, le plat qui a été neuf, ce n'est pas l'oublier. On ne devait même pas trouver le sang du mari en lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ à qui nous péchons, il n'est pas comme toi. Il n'est pas comme le sol. Il est différent. Et planète. Mais le prophète parle dans un langage connu. On dit encore. Je ne vais pas aller trop loin parce que je ne suis pas certain. On dit encore, alors, dit la ténérité devait être enlevée. Vous avez déjà saisi que c'est possible. Le plan neuf, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est la personne qui n'avait ni péché. Parce que dans le monde, mon toit a dit là vous avez sous-monté. Celui qui n'avait jamais péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez comment? Vous allez pas le Seigneur n'a pas péché. C'est-à-dire, pour t'en sauver, pour que tu sois sauvé, tu dois t'attacher à lui. Parce que lui n'a pas de péché. Mais les manquants, on parle que la ville était stérile. Allons-y dans le livre de Genèse. Mais on a trouvé une femme stérile. C'était Sarah, elle était stérile. Sarah qui est comba. Oh, lorsqu'elle a pris le fils, c'est-à-dire elle n'était plus stérile. C'est-à-dire, une ville qui souffre de la stérilité, c'est-à-dire cette ville n'a pas le fils. En d'autres termes, Israël marchait, mais il n'avait pas le fils. On devait leur présenter le fils. Mais le fils était là. Mais un fils caché. Je ne sais pas si vous me saisissez. Je ne sais pas si vous me saisissez. Voilà pourquoi je déclare. Il y a cette parole que je te prêche. Enlève la stérilité physique au nom de Jésus. Que s'enlève la stérilité physique au nom de Jésus. Que s'enlève la stérilité au nom de Jésus. Je ne sais pas encore. Tout ce qu'on avait prononcé sur toi, pour que les choses ne tiennent pas, et cela échoue au nom de Jésus. Parce qu'il y a déjà un plan neuf. Selon l'enseignement. Les alliés à Moulaï. Nous n'allons pas épuiser toute la vie. Donc, ça, il a été mis à Moulaï. Mais, nous devons donner quand même les noms. Nous devons quand même donner les noms. Et c'est que Topé Sabali. Les manquants. Au Tala, madame. Lorsque je lis. Tabou, la zéro, Tala. Les eaux, les eaux. Bamaï, Bamaï. Est-ce que vous savez que dans la Bible, les eaux aussi. Elle représente un homme. Oh, l'église ne le sait pas. L'église est mise à monter. Les hommes représentent un homme. On a appelé un homme qui a été tiré des eaux. C'était Moïse. C'est-à-dire, pendant ce peuple marchait avec Moïse, c'est-à-dire, la vie n'était pas là. Comment ils ont dit? En réalité, qu'est-ce que nous voulons dire? Pour instruction, cela veut dire que toute personne aujourd'hui,
aujourd'hui qui reste seulement borné dans la loi ne va pas trouver la vie. Or, pour trouver la vie, il faut voir. C'est-à-dire, Moïse était l'homme de Jésus. Mais pour comprendre qu'il était l'homme, le Seigneur doit te faire voir dans sa grâce. Pour comprendre. Voilà pourquoi nous disons l'évangile éternel. L'éternel ne peut pas donner ça à n'importe qui. Pourquoi j'ai dit cela? Vous allez voir quelqu'un. Philippe est né qui est éthiopien. Lui aussi, il était en train de faire la lecture. Mais comme les autres prédicateurs, le Philippe lui pose la question. Combien tu sais que tu lis? C'est-à-dire, en lisant, il ne comprend pas. Il a compris seulement l'écriture qui dit la lettre tu, mais c'est l'esprit qui tu dis. Voilà pourquoi. Même dans ta chambre, quand tu pries, il faut bénir l'Éternel parce qu'il a permis que tu sois dans cet évangile. Maintenant, c'est le problème. Philippe qui est Nathanaël. Je dis d'abord pour Nathanaël. C'est en cela qu'on va chiter pour prendre aussi le temps de l'autre. Mais nous avons dit, Philippe rencontre Nathanaël et il dit, nous allons trouver celui qui est Moïse dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Cela veut dire, j'expliquais, écrire, celui qui écrit c'était Moïse. Les prophètes ont répété seulement le langage de Moïse, mais en plusieurs manières. Comme on est dans un séminaire, je ne vais pas prendre beaucoup de ces sorts. J'ai pris seulement l'exemple du prophète Élisée. Est-ce qu'on est ensemble? Ah. Ok. Maintenant, écoutez ce qui m'a été indiqué ici. Nous avions trouvé. C'est-à-dire, ils étaient en train de chercher. Oh, donc, lorsqu'on cherche, pour trouver, il faut que celui qui s'est caché se révèle en toi. Ah. Voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas connu le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui était caché dans le livre de Genèse? Mais c'était l'arbre de vie. Et ça a dit, c'était la pomme. C'est ce qui était caché. Mon docteur, n'est-ce pas? C'était ça. Yamone. Parce qu'on a donné l'instruction. Oui, empêchons-les. Yes. C'est-à-dire, les fonds que faisait le chant, c'était d'aller toucher possible et de vivre éternellement. Je ne sais pas si on est ensemble. Les fonds que faisaient les Israélites en donnant des offrandes, c'était pour vivre éternellement. Mais l'Éternel a caché cette chose. Voilà pourquoi dans la réalité, Moïse devait cacher aussi son visage. Il n'y a pas de papier au milieu de la Pour que le peuple n'ait pas. C'est-à-dire, Philippe a trouvé à côté l'arbre de vie. Faites à Moïse. Écoutez, lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus-Christ,
ta vie doit changer. Qu'est-ce qui fait que ta vie doit changer? Un nombre m'appelle dans la Bible. Manouache. C'est le père de Samson. Ah, ta père Samson. C'est lui qui m'appelle. Moi, je suis en train de prêcher. Mais il m'a dit au fond de ma fille. Il a dit. Nous avons vu l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire, nous sommes morts. Lorsque on voit l'ombre de Jésus, on ne peut plus vivre. On doit être des hommes en ombre. Voilà pourquoi l'un des apôtres dit, c'est même plus moi qui viens, c'est le Christ qui vit en moi. En réalité, est-ce qu'un mort, il a encore des exigences? Voilà pourquoi je dis toujours, est-ce que dans nos assemblées, il y a des gens qui ont vu Jésus? Parce que quand tu vois Jésus, tu es un homme mort. Ah oui. Voilà pourquoi, étant prévu, on doit te prendre, te sacrifier, au ziki, au boumani, au koufi, et tu deviens une offrande agréable. C'est-à-dire, lorsque Philippe dit à Nathanaël, nous avions vu, Philippe disait à son frère, l'œuvre qui a été cachée, nous l'avions trouvée. Voici cet homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle que j'ai dit. J'ai dit à quelqu'un, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu as trouvé la vie. Tu ne mourras plus. Tu vivras éternellement. Amen. Si tu étais venu malade à cause de cette parole, que la guérison te soit transmise. Je déclare ceci. Si on avait dit dans ta famille que tu ne vas pas te marier, ça c'est dit. Mais toi tu as vu le Messie. Écoute, Jésus. Lorsqu'on voit le Messie, le langage change. Et on m'a dit pour toi, ça va sa mère. C'est lui qui a Dieu. Son langage change. Et son comportement change. Et écoutez, Nathanaël. Est-ce que quelque chose peut-il venir? Et le qui compit ma il avait écouté. Mais quand il a vu, et cet homme a prononcé. Mais je t'ai dit ce soir, cet homme est en train de prononcer des choses. Est-ce que toi tu le vois pas? Tu ne le sens pas? Le Seigneur est en train de prononcer des choses dans ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et l'Éternel change le langage de ta vie. La langage ouane à mon ils sont dans le sang de la radouza, ma bonne à ma passe. Nous les commandeurs, nous sommes des pauvres, des malheureux. Non! Faut tant pour la même. Tu dois marcher avec fierté. Parce que nous avons un Dieu. Mais que vous avez dans un mec. Qui est le créateur de toutes choses. Il a créé le ciel. Il a créé la terre. Il a créé les choses qui sont visibles. Les celles qui sont dignes. Applaudissons pour le Seigneur. Est-ce que tu peux d'abord dire merci au Seigneur pour ces paroles de ce soir? Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ.
ensemble. Je vais écouter ta prière. Le Seigneur est merveilleux. Lui qui était caché autrefois, il s'est révélé pour moi et toi. Ah, quel bonheur. Je suis une enfant. Ce qui sont vêtu de blanc. Merci Jésus. Jean dit ceci.
Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon oreille connaît ta vie. Ça, c'est le témoignage de Jean. Je veux que ça soit aussi ton témoignage à toi. Je dis, je veux que cela soit aussi ton témoignage à toi. Peut-être tu as entendu. Peut-être tu as entendu. Que l'Éternel bénit. J'aimerais que la prière que tu vas faire. Et moi-même, je vois que tu m'as béni. Peut-être que tu as entendu. Que l'Éternel élève les gens. Que l'Éternel ouvre. Que l'Éternel guérisse les malades. La prière que tu vas faire, j'ai besoin de voir que tu m'as guéri. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Israël. Ma prière éternelle, je l'ai entendu éternellement, Dieu, que tu m'as guéri le malade. Père éternel, amène le plus fort et le maladie. Père, porte son chien. Hallelujah, come, yeah.
La paix de ton va arriver ici. Je crois la présence du Saint-Esprit. Tu élèves ta main. Tu élèves ta main. Je dis d'élever ta main. Moi je crois la présence du Saint-Esprit. Reste calme. Écoute ce que le Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit va toucher les gens. Et il est témoin de Que la paix de mon Dieu qui met un colo, soit le partage de tout en chacun. Si tu as quelque chose qui t'empêchait d'avancer, allez trouver les hommes de Dieu. Dis-les. Et ta vision va être claire. Paix pour la parole du Seigneur. Dans 2 minutes, j'aimerais demander une chose à l'Assemblée. C'est ce qui m'est monté au cœur. Je ne sais pas quelles sont les organisations sur place.